tous, c'est Loki, l'agent des séries. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du dilemme du titan, donc le chapitre 2 de 20 pages que je vous avais promis. Donc c'est parti pour le début de la lecture, tout de suite, sans perdre un seul instant. Toujours écrit d'ailleurs par Barry Liga, très important de citer l'écrivain du livre pour ne pas oublier que c'est lui qui l'a écrit et non pas moi. Allez, c'est parti. Chapitre 2. Réalité. La vérité est une maîtresse bien plus sévère que la mort. Titan n'avait qu'un défaut, être un monde parfait. Or, depuis qu'il était enfant, Thanos avait déjà compris que la perfection absolue n'existait pas. Le moindre diamant a un défaut, et l'âme la plus pure dissimule son lot de tort, de honte ou de fanatisme exacerbé. Titan, elle aussi, souffrait d'une imperfection. Thanos avait parfaitement conscience que ce défaut n'était autre que lui-même. Isdalar, grand mentor de Titan et architecte de la Cité éternelle, et de Suisan, sa mère absente, Thanos ébranla les autres membres de sa race dès qu'il vint au monde. Même les personnes les plus posées étaient saisies d'effroi par son apparence. Se distinguant de la population d'origine par les traits d'une laideur repoussante et sa peau de couleur violette, il devint célèbre pour des raisons qui n'étaient pas de son fait, ni inscrites à jamais dans sa chair. Sur Titan, l'incarnation était aussi variée que magnifique, mais personne n'avait jamais eu le teint violet, couleur de la mort et des mauvais présages. Personne, jusqu'à la naissance de Thanos. De la grande mer Silée, située de l'autre côté de la planète, à la chaîne chatoyante des cryovolcans au versant de bronze qui bordait la Cité éternelle, partout sur Titan régnait l'unité. Plus que la somme de tout ce qui le composait, ce monde formait un tout aussi cohérent que sublime. La Cité éternelle, architecture et ingénierie coexistaient dans un accord parfait. Les tours élancées se blottissaient les unes contre les autres, dans un ensemble à l'harmonie sans défaut. Tout dans ce monde était en accord, mis à part Thanos. La couleur de sa peau, ainsi qu'une série de rides verticales donnant l'impression que son épiderme avait été scarifié, élargissait un menton déjà proéminent. Cette particularité faisait de lui un déviant, le résultat d'une monstrueuse mutation. Si son père n'avait pas été Alar et sa mère Suisane, il aurait été très certainement été mis en quarantaine dans un établissement hospitalier afin d'y subir toute sa vie d'incessants examens, loin des égards ouatés de la société. Au lieu de cela, il fut confié aux bons soins d'Alar, Suisane ayant disparu un peu après sa naissance. Dès ses 6 mois, il se mit à marcher et ce ne fut pas du trottinement ivre d'un bébé, mais des pas assurés d'un homme. Il pouvait déjà se tenir debout et contrôler les mouvements de sa tête ainsi que de son cou. La coordination de ses membres était parfaite et son allure était celle d'un adulte. 2 jours avant son premier anniversaire, il prononça ses premiers mots. En fait, il s'agissait même d'une phrase parfaitement construite. Père, va-t-on célébrer ma naissance et mère sera-t-elle présente? Cela faisait déjà des semaines qu'il pouvait s'exprimer par la parole, mais il avait préféré attendre de maîtriser les nuances structurelles du langage avant de se lancer. Bien avant ces 2 étapes cruciales, il avait parfaitement compris qu'il était un être différent, dans un monde où rien ne comptait autant que de se conformer à la norme définie par le plus grand nombre. Non, ta mère ne sera pas présente, lui répond Alar. Si son père fut surpris d'entendre son fils parler ainsi que par sa diction, il n'en laissa rien paraître avant d'ajouter « Je vais me débrouiller pour réunir quelques amis. Je vais me débrouiller pour. » C'était par ces quelques mots qu'Alar commençait la plupart de ses phrases. Le père de Thanos touchait rarement son fils, de même qu'il ne posait les yeux sur lui que très occasionnellement. Dès qu'il s'agissait de satisfaire les besoins de son fils, il ne disait que « je vais me débrouiller pour ». Et c'est précisément ce qu'il faisait, avec efficacité et sang-froid. Thanos n'aspirait à rien, il n'avait besoin de rien, si ce n'était que de se sentir accepté. Comme il l'avait annoncé, Alar s'était débrouillé pour réunir quelques amis, à savoir un groupe d'androïdes conçus pour ressembler et se comporter comme des enfants en bas âge. Ils avaient été programmés pour distraire Thanos, le satisfaire et le rendre heureux. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre leur programmation et en réécrire les algorithmes. C'est ainsi qu'il réunit autour de lui un groupe de serviteurs robotiques qui l'amusaient mais n'accomplissaient pas grand-chose d'autre. Ça ne pouvait suffire à l'esprit toujours en alerte de Thanos. Puisque c'est ainsi,
Ils arrivent sur l'école, les Sidala. Il y a des générations sur Titan. Le processus éducatif consistait à installer les enfants dans des nacelles psy pour leur prodiguer l'enseignement au travers d'une interface cérébrale. Ce procédé avait été étoffé bien avant la naissance de Thanos. En effet, on avait ajouté un élément d'interaction sociale à l'éducation en regroupant les enfants au sein d'une école. La théorie voulant qu'ils puissent ainsi se motiver mutuellement à apprendre davantage, mais également qu'il leur soit possible de tisser des liens. Thanos était impatient d'entrer à l'école, car, à l'exception de ses androïdes reprogrammés, il ne fréquentait personne. Il avait hâte de faire connaissance avec d'autres enfants de son âge. Sois poli, conseilla Lahar, alors qu'il se dirigeait vers l'établissement scolaire à bord de leur flotteur. Ne parle que lorsqu'on t'adresse la parole. Oui, père, répondit Thanos en acquiesçant de la tête. À travers la verrière transparente du flotteur, il apercevait d'autres engins du même type. Le sommet des bâtiments et, au loin, les chaînes montagneuses de Titan. Ce monde était magnifique et en paix. Il avait hâte d'en découvrir la moindre parcelle. Nous avons prévenu cet enseignant au sujet de son apparence, reprit Alain. Tâche de ne rien faire ou dire de vexant ou même de malséant. Son apparence. Sans en avoir conscience, il laissa glisser un de ses doigts sur son menton. Au cours de l'histoire des Titans, pour des raisons dont personne ne se souvenait, la couleur violette avait été associée à la mort, et ce lien avait perduré au fil des siècles. Quand les habitants des Titans mouraient, leur corps était recouvert d'un linceul violet, et, durant la période de deuil, les lumières de leur demeure étaient teintées de la même couleur. Thanos avait pris conscience de cette association à 4 ans, le jour où son père reçut chez eux une invitée, une femme âgée, venue chercher conseil auprès du grand mentor des Titans. De la tête aux pieds, elle était vêtue en différentes nuances de violet. Elle avait même recouvert son visage d'un voile dont la teinte était précisément celle de l'épiderme de Thanos. Et comme tous les enfants face à ce genre de coïncidence, Thanos fut intrigué de voir cette femme parer de vêtements de la même couleur que sa peau. Après son départ, il en discuta avec son père et insista notamment sur le fait que lorsque le voile était d'un violet parfaitement coordonné à sa propre peau. Alors, en termes peu choisis, Alahar lui expliqua que cette femme portait ses vêtements parce qu'elle était en deuil. C'était une veuve et elle se devait de porter la couleur symbolisant la mort. L'enthousiasme juvénile de Thanos retomba immédiatement. De toutes les nuances que ces jeunes inadaptés auraient pu donner à sa peau, pourquoi a-t-il fallu que ce soit le violet? Une fois arrivé à l'école, Alain l'accompagna dans un couloir en observant les lieux et en lâchant parfois un soupir cachant à peine son dégoût. Conception et exécution peu inspirée, commenta-t-il d'un ton laconique. Ne laisse pas cet environnement rustre flétrir ta politesse, Thanos. Je vous le promets, lui répondit l'enfant, en faisant de son mieux pour paraître aussi indifférent que son père. En son fort intérieur, Thanos était transporté de joie à l'idée de fréquenter ses pairs. Toutefois, sachant parfaitement que son père désapprouvait la démonstration de doux sentiments, il contint son exaltation. Père et fils s'arrêtèrent face à une porte, et Thanos entendit calmement qu'Alahar l'ouvre d'une pression de pouce. Pourtant qu'il eût s'en souvenir, ce serait la première fois que Thanos se retrouverait séparé de son père plus d'une heure. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Alahar lui adressa un hochement sec de la tête. Ne sois pas en retard et sois bon élève, lâcha-t-il avant de tourner ses talons et s'éloigner dans le couloir d'un pas vif. Thanos hocha la tête, pour signifier à lui-même qu'il avait bien reçu cette dernière consigne, puis pénétra dans la salle de classe. C'était une pièce de dimension modeste dans laquelle étaient alignées 12 nacelles psy, dont la disposition pouvait être modifiée à l'envi. À cet instant, elle formait 2 rangées de 6 unités, toutes tournées vers l'endroit de la salle où se tenait un adulte, habillé d'une tunique et d'un pantalon gris, les mains jointes dans son dos. Sa dense chevelure noire était plaquée sur son crâne, comme un casque, et sa peau était aussi pâle qu'un ciel d'aurore. L'enseignant sourit et, au prix d'un effort admirable, parvint à maîtriser sa surprise à la vue de Thanos. Néanmoins, celui-ci remarqua sa réaction. Le personnel de l'école avait été prévenu de sa venue. Il savait qui il était et à quoi il devait s'attendre. Malgré cela, son apparence continuait de choquer. « Tu dois très certainement être Thanos !» dit l'instituteur. Le jeune élève trouva que c'était là une entrée en matière totalement idiote. Qui d'autre pouvait-il être? Toutefois, l'enseignant affichait un sourire aimable et Thanos avait toujours en mémoire la recommandation de son père. Par conséquent, il acquiesça d'un hochement de tête. Oui, et les enfants, venez accueillir votre nouvel ami et camarade de classe, Thanos. À ces mots, 11 des nacelles pivotèrent afin que leur occupant ait une vue imprenable sur le nouveau venu.
Thanos sentit monter un sentiment de panique alors que 22 yeux le scrutaient, mais ses craintes s'envolèrent très vite. Au fond, c'étaient tous des enfants, comme lui. Installe-toi dans la nacelle inoccupée, je te prie, lui demanda l'instituteur. Aujourd'hui, nous étudions les couleurs et les formes. Thanos rejoignit l'appareil qu'on lui avait indiqué d'un pas vif. Quand il y prit place, l'intérieur capitonné se leva autour de lui comme un cocon. Ainsi enveloppé, il se sentait enfin à l'aise et dans son élément. Cette nacelle était un modèle plus ancien que celle que son père avait installée chez eux, mais elle était pratique. Il procéda à quelques mises à jour de son système d'exploitation, puis se connecta à la nacelle qui se trouvait chez lui. Les formes et les couleurs. Alors que l'enseignant faisait son cours et que la nacelle faisait apparaître les images qu'il était censé assimiler, Thanos réalisa très vite à quel point il s'ennuyait. Il avait déjà appris tout ce qu'il fallait savoir sur les couleurs auprès de son père, de la nature, de la lumière à l'art de la manipulation des pigments. Les formes, carreaux, lignes, points et figures, non géométriques étaient également du déjà vu pour lui. Était-ce vraiment ainsi qu'il pouvait espérer apprendre quoi que ce soit? Il tempéra son impatience. Après tout, il avait voulu se retrouver là et il n'allait pas jeter l'éponge au bout de quelques minutes. Dans un soupir, il fit passer le système de sa nacelle en mode accéléré et ingurgita le cours en deux fois moins de temps que la normale. Si l'enseignement prodigué par l'école ne suscitait aucun intérêt de sa part, Thanos attendait beaucoup de l'aspect social. Une pause était prévue à midi pour se restaurer et s'adonner à des activités physiques. Thanos n'était pas dupe. Il comprenait bien que le sport servait avant tout à fatiguer les élèves afin de mieux les contrôler. Il considérait qu'il s'était déjà montré incroyablement poli et déférent, notamment en ne reprenant pas l'enseignant qui avait fait deux ou trois erreurs au cours de la matinée, et aussi décida-t-il de ne pas courir et jouer comme le faisaient ses camarades de classe. Au lieu de cela, il s'assit en silence dans un coin pour étudier un hologramme rudimentaire représentant un système nerveux synthétique. S'il parvenait à l'améliorer, il pourrait créer des êtres vivants artificiels semblant doués de vie. Un groupe d'enfants ne tarda pas à se rassembler non loin de lui. Ils échangèrent messe basse et murmures en pointant parfois un doigt dans sa direction. Il vit de son mieux pour les ignorer, mais en même temps, se demander comment il lui serait possible de les aborder. Peut-être que venir ici avait été une erreur et qu'il aurait mieux fait de rester chez lui. Il n'avait pas envisagé de devenir ainsi le centre de toute l'attention, celui dont on parle mais avec lequel on ne parle pas. À cet instant précis, une fille, appelée Gwynns, s'approcha de lui. Nous aurions une question à te poser, lui dit-elle. Puis, avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, elle poursuivit. Pourquoi es-tu violée? Surpris, Thanos cligna des yeux. Jusque-là, personne ne lui avait jamais posé cette question pourtant fondée. Gwynns affichait un air plus curieux qu'effrayé ou dégoûté. Le père de Thanos avait peut-être exagéré la réaction des autres face à son apparence. Je n'en suis pas tout à fait certain, reconnut-il. C'est peut-être une mutation. Une quoi? Alors qu'ils discutaient, les autres enfants s'étaient rassemblés autour d'eux. Thanos réfléchit à la meilleure manière d'expliquer le phénomène, mais en vérité, il n'en comprenait pas lui-même toute la mécanique. Il savait juste qu'il existait des choses appelées gènes qui définissaient la personnalité et l'apparence des gens et que quelque chose avait altéré l'un des siens. Et où ils sont, ces gènes? Demanda Gwynns en explorant son corps à tâtons, comme si elle allait pouvoir les repérer, gestes qui imitèrent certains des autres élèves. Thanos secoua la tête. Ils sont minuscules, microscopiques même, leur apprit-il. Une pensée s'épanouit alors dans son esprit. Cet instant lui offrit une opportunité inespérée car elle avait obtenu l'attention de ses camarades. Il ne le regardait pas avec crainte ou répugnance, mais se montrait curieux. S'il parvenait à leur expliquer cet aspect de sa personne. La nuit précédente, il avait mémorisé le plan de l'école afin de ne pas se perdre. Il n'eut donc aucune difficulté pour emmener le groupe d'une dizaine de ses camarades jusqu'à une salle de biologie destinée à des étudiants plus âgés. Quand ils y entrèrent, l'endroit était désert et Thanos constata qu'il disposait de tout ce dont il avait besoin. Il demanda au groupe de s'installer autour d'une paillasse sur laquelle était posé le capteur d'un microscope, puis fouilla dans le matériel présent jusqu'à trouver une aiguille conçue pour déterminer la nature des prélèvements. Il en avait un tout autre usage en tête. Pour regarder les enfants qui semblaient retenir leur souffle, Thanos piqua alors l'extrémité de son pouce. Les jeunes spectateurs laissaient échapper un murmure surpris quand une goutte rouge prit forme. Thanos l'écrasa sur la lentille du microscope et une grossière projection holographique de son sang illumina la pièce. Un concert de « Oh !» et de « Ah !» accompagna l'apparition de cette image flottant dans l'air. D'un air satisfait, Thanos manipula les commandes afin d'affiner l'image.
Les globules palpitaient en tournoyant à travers la pièce. Les autres enfants riaient de joie en pointant du doigt le spectacle qui leur était offert. Voilà, ceci est mon sang, expliqua Thanos. Maintenant, à titre de comparaison, il s'empara alors de la main d'un garçon à côté de lui et lui piqua le pouce de l'aiguille. Alors qu'une goutte de sang naissait sur son doigt, le petit garçon se mit à hurler comme si on les tripait. Plus personne ne regardait la projection s'énerver. Un bref instant, les autres enfants gardèrent le silence, alors que leurs camarades continuaient de crier de douleur et de surprise, puis ils se mirent tous à brailler, comme s'ils avaient été blessés aussi. À cet instant précis, Thanos ressentit la crainte qu'avait évoquée son père. Elle déferla sur lui et le submergea. Il lâcha alors la main du petit garçon et se mura dans le silence, tandis qu'autour de lui, les cris redoublaient d'intensité. Plus tard, alors qu'il se trouvait seul dans le bureau du surveillant général de l'école, un bruit attira son attention et il leva les yeux. Alain tenait dans l'encadrement de la porte. Cette expérience est un échec, déclara son père. Bien, rentrons. La nuit suivante, Thanos sortit de son lit pour aller écouter à la porte du cogitarium, la pièce où Alain passait des heures entières, dans une réflexion intense. Une voix, qui n'était pas celle de son père, lui parla de l'autre côté du battant. Tu sais, toute l'admiration que j'ai, que nous avons tous pour toi, Alar. Alors, parle-moi sans détour, exigea Alar. Ton fils, il est différent, effectivement. Tu as remarqué? Je rends grâce à ton sens aigu de l'observation. L'interlocuteur garda le silence quelques instants, comme s'il digérait ce sarcasme, puis reprit. Peut-être qu'il y a des solutions plus adaptées au fils du très estimé Alar qu'une simple école. Sans doute, répondit Alar d'une voix douce. Merci de m'avoir apporté un peu de ton temps, mais merci également pour tes égards et tes conseils. Alar coupa alors le système de communication et Thanos, l'oreille tendue, saisit un dernier murmure. Imbécile. Ce serait un euphémisme de dire qu'il était très rare qu'un enfant de titan soit retiré de l'école et que son éducation soit confiée à un de ses parents. Mais Alar avait le bras long et c'était une célébrité que tous connaissaient. De plus, cette solution arrangeait tout le monde. Si le père de Thanos avait fait de l'intelligence, des synthétiques, sa spécialité, c'était également un savant maîtrisant plusieurs champs d'expertise. Ainsi, il possédait également des connaissances en sciences, des matériaux et en architecture, ce qui lui avait valu une place du premier plan sur Titan. La planète n'offrait que peu de terres habitables et Alar avait découvert comment utiliser au mieux ces espaces, mais également comment le protéger des attaques de la nature. Ce talent lui avait conféré une célébrité universelle et un pouvoir politique considérable qui rendait l'absence de son épouse et la laideur de son fils encore plus infamante. C'est un père distant, mais un enseignant exigeant dont le génie n'était pas à la portée de tous. Thanos regrettait d'avoir laissé passer l'occasion de se faire des amis et reconnaissait à contre-cœur qu'il avait trouvé en Alar un professeur digne de lui. Les compliments étaient rares. Il arrivait, parfois, que son père fasse une remarque sur l'intelligence de Thanos, comme si elle coulait de source. Comme si son énorme aptitude mentale était à la fois exceptionnelle et banale. Les cours se déroulaient à un rythme effréné et étaient implicitement considérés comme compris dans leur globalité. Ton intellect constitue ton premier et ton meilleur outil, lui confia son père dans un moment d'intimité. Un beau jour, tu pourras peut-être avoir l'honneur d'être appelé Thanos, voire Thanos, même si je te déconseille de nourrir tes ambitions. Je me retrouve de nouveau seul, répondit Thanos en luttant pour chasser de ses paroles toute trace de lamentation, bien conscient que son père détestait toute conduite qu'il jugea puérile. De guerre lasse, Alar laissa échapper un soupir. Je vais me débrouiller pour, commença-t-il. Comme toujours, Alar tint parole et trouva une solution. Offrir à Thanos la compagnie d'un vrai petit garçon. En fait, ce furent même plusieurs d'entre eux qui furent recrutés pour devenir son ami, mais un seul se montra à la hauteur. Pardon pour ce problème technique. Comme vous le savez, je ne sais pas vraiment faire de cut. Donc, malheureusement, vous devrez avoir ce petit problème dérangeant dans la vidéo. Je suis désolé. J'apprendrai à faire des cuts, je vous le promets. Pour l'instant, je ne sais pas encore les faire. Donc, pour l'instant, vous allez garder cette image de mon échec de cette vidéo. Par définition, dans la mesure où il était le seul, Sinta devint alors le meilleur ami de Thanos.
d'une silhouette gracile, dont, alors que Thanos était de forte stature, ce jeune homme avait un menton lisse, d'une taille normale, et sa peau avait la couleur parfaitement acceptable des pêches crues. Il montrait en permanence un caractère solaire qui contrastait avec la nature taciturne et renfermée de Thanos. Au fil du temps, Thanos fut de plus en plus persuadé que son père avait payé, fait chanter ou menacer les parents de Sinta afin que leur enfant devienne l'ami de son fils. Son père n'aurait jamais reconnu avoir recours à une tactique aussi triviale, mais alors qu'il venait d'atteindre l'âge de 10 ans, Thanos parvint à saisir à la volée certains mots et quelques phrases qui le menèrent à cette certitude. Cruelle ironie, l'esprit phénoménal dont le destin et la génétique l'avaient doté lui permettait d'avoir parfaitement conscience que son infirmité et de la nature singulière de l'ostracisme dont il était la victime. En se basant sur ce que lui avait appris le visionnage des hologrammes d'information et de divertissement, il avait compris à quel point il était isolé, mais était impuissant à régler la situation. Malgré tout cela, et sans même parler des pressions qu'avaient dû subir ses parents, Tita semblait sincèrement apprécier la compagnie de Thanos. De tous les enfants qui avaient défilé devant lui afin de décrocher le rôle d'ami, seul Sinta montrait un sourire sincère, une allure simple et détendue, ainsi qu'un éclat canaille dans les yeux. Thanos tenta dans un premier temps de ne pas s'attacher à lui, sans y parvenir. « Tu es la première chose que m'a rapporté mon père, que j'apprécie vraiment », lui confia Thanos au début de leur amitié. Sinta sourit. Il était trop intelligent pour son âge lui aussi, même s'il n'était pas aussi brillant que Thanos. « Je ne suis pas une chose », lui rappela-t-il. « Je suis une personne. » « Bien entendu, » répondit Thanos d'un hochement de tête. Ils jouaient ensemble dans le logement que Thanos partageait avec son père, jamais en public et jamais chez Sinta. Thanos avait conçu un système permettant de peindre avec de la lumière qui fonctionnait grâce à des data-pinceaux qui concentraient les photons et les maintenaient en place temporairement. Les deux enfants passaient ainsi des heures à dessiner dans l'air et à regarder les hologrammes qu'ils avaient créés étinceler avant de se corroder, puis de se désagréger comme effet d'artifice qu'on avait fait exploser au ralenti. Puis je te posais une question, dit Thanos. Toi ? Tonna Sinta en immobilisant le geste de son data pinceau dans l'air. Mais tu n'en poses jamais, tu sais déjà tout. J'aimerais tellement que cela soit vrai, connaît Thanos. Il y a beaucoup de choses que j'ignore, en particulier une. Sinta s'assit. Les hologrammes dansaient et brillaient autour de lui comme des rêves capturés et ramenés dans le monde réel. Je t'écoute. Thanos hésita. Il comprit que, pour la première fois de sa vie, il se sentait nerveux. Qu'est-ce que cela fait, dit-il en cherchant ses mots, d'avoir une mère? Tout le monde a une mère, Thanos, répondit Sinta dans un rire. Si Thanos avait été capable de rougir, il l'aurait sans doute fait à cet instant précis. Si on ne parle pas que du côté biologique, bien entendu, mais je voudrais que tu m'expliques ce que ça fait d'en avoir une à tes côtés, pas seulement de savoir qu'une femme t'a mis au monde. Le regard de Sinta s'adoucit. Il ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Il ouvrit de nouveau et renonça encore une fois. Ce cycle se répéta avant qu'il ne parvienne à retrouver sa voix. Je ne sais pas comment je pourrais te décrire ça, reconnut-il. Je n'ai jamais connu que ça. En entendant ces paroles, Thanos fut transpercé par une douleur telle qu'il n'en avait jamais éprouvée. Au-delà des mots, c'est le ton avec lequel Sinta les avait prononcés. Dans sa réponse, on pouvait sentir de la chaleur et du bien-être. Thanos comprit alors que le réconfort qu'il aurait pu trouver auprès de sa mère était précisément ce qui lui manquait. Pendant qu'il en savait, tous les êtres vivants sur Titan bénéficiaient de l'amour de leur mère. Sauf lui. Je ne sais même pas où elle se trouve, souffla-t-il. C'est un des rares secrets qu'Alar a réussi à me cacher. Sinta parut hésiter quelques instants, puis lâcha « Moi, je sais où elle se trouve. » À cette période de sa vie, Thanos avait déjà la physionomie et la taille d'un enfant plus âgé. Ses poussées de croissance étaient fréquentes et douloureuses. Mesurant 1,75 m, il avait la silhouette d'un jeune adolescent, ce qui faisait passer au second plan son esprit génial. Si sa peau s'était éclaircie depuis sa naissance, elle restait toujours de se violer, détester et craindre. Il était rare qu'il s'aventure loin de la maison de son père, car celui-ci lui avait rappelé maintes fois qu'il valait mieux qu'il n'indispose pas les autres. Voilà pourquoi ce jour-là, Thanos s'était enveloppé d'une cape dont la capuche recouvrait sa tête et dissimulait son visage dans l'ombre. Son nom roulé traînant au sol, il approcha d'un bâtiment bien particulier sans ressentir la moindre crainte et de l'impatience. Il se retourna et Sinta lui adressa un signe de tête pour l'encourager à aller de l'avant.
quelconque et trapu, le bâtiment se distinguait de la ville qui l'entourait, dominée par des tours gigantesques et des édifices flottants grâce à des systèmes anti-gravité. Zinta en avait entendu parler par le biais de ses parents. Selon eux, il s'agissait d'une sorte d'hôpital. Évidemment, Thanos savait ce qu'était qu'un hôpital, à savoir un endroit où les maladies étaient traitées et les blessures soignées. Sa mère était-elle malade? Était-ce cela la raison pour laquelle personne ne lui laissait la voix? Mais dans ce cas, pourquoi ne lui pas lui avoir dit tout simplement? Pourquoi tout ce mystère dans lequel il décelait un soupçon de honte? Cela n'avait plus d'importance. Sa mère se trouvait dans ce bâtiment et c'était tout ce qui comptait à ses yeux. Et devant la porte, il hésita. C'était un garçon de 10 ans, encore un enfant, et malgré son intellect, ou peut-être à cause de ça, il savait que la combinaison de son âge et de son aspect physique n'allait pas jouer en sa faveur une fois à l'intérieur. Il avait conscience qu'il n'allait pas tarder à connaître un nouveau rejet. Malgré cela, il ouvrit la porte et rentra. À l'intérieur, l'air était chargé de relents d'ozone et d'antiseptiques. Les murs et les sols étaient d'une couleur sombre, et le plafond, fait de dalles lumineuses, diffusait une clarté tamisée. Il suivit le couloir d'entrée jusqu'à atteindre une autre porte qu'il franchit. Derrière elle, se tenait un homme dont les sourcils en bataille avaient la couleur passée de l'herbe en automne. Il était habillé de la tunique noire et haussait d'épaulettes rouges, réservée aux médecins, mais l'expression de son visage n'avait rien de réconfortant. Ah, Thanos, lança-t-il d'un ton désapprobateur. On m'a annoncé votre venue. Sinta et lui, n'ayant parlé de leur projet à quiconque, Thanos comprit que pour la première fois de sa vie, qu'il était surveillé en permanence. Je souhaiterais voir Swissan, pensa-t-il avec tout ce dont il était capable de dignité et d'aplomb. Ma mère. Le médecin plissa les yeux, affichant un air compassé. Thanos parvint à contenir la colère qu'il sentait monter en lui. Il n'avait que faire de cette pitié. Je suis vraiment désolé, navré, répondit le docteur. Je ne peux pas le permettre. Je me passerai de votre autorisation, répliqua Thanos en surmontant son indignation. Laissez-moi voir ma mère. Pour cela, vous allez devoir demander à votre père, lui indiqua le docteur en s'agitant étrangement. Si vous refusez de partir, je serai obligé de vous faire sortir et je n'ai aucune envie d'en arriver là. Demandez à votre père. Il l'avait fait. Dès ses toutes premières paroles, mère sera-t-elle présente? Il avait demandé à la voir. Il avait même failli supplier Allard de lui permettre, mais à chaque fois, il s'était heurté à un mur. Que ses requêtes aient fait l'objet de réponses verbales ou de silences méprisants, il était clair qu'il ne verrait jamais Swissan. Ne me renvoyez pas, prit Thanos en serrant les poings. En voyant cela, toute amabilité s'évapora du visage du médecin. Il se racla la gorge et annonça Vous me forcez à appeler un vigile. Alors, Thanos sentit plus qu'il ne vit le voile rouge de la colère tomber entre lui et le reste du monde. Et, sans en avoir vraiment conscience, il bondit sur le docteur. Du haut de ses 10 ans, il était aussi furieux que fort, et avait pour lui l'avantage de la jeunesse qui ne cherche jamais à ménager son énergie. Le médecin hurla en tombant en arrière, sous le choc, quand Thanos le heurta en pleine poitrine, ils se retrouvèrent tous deux au sol, là où la taille plus modeste de l'enfant n'était plus un désavantage. Au cours de la fraction de seconde que dura cette chute, Thanos sentit naître en lui un embrasement, alors que quelque chose de lourd et oppressant disparaît. Il eut soudain une impression de légèreté telle qu'il n'avait jamais éprouvé de sa vie, comme si tout ce qui composait son univers avait enfin un sens. Cette épiphanie ne demanda qu'un instant, à peine le temps nécessaire au contact pour s'établir quand on pousse un interrupteur. Au moment de l'impact au sol, l'esprit de Thanos se déconnecta. Il se mit à frapper des deux poings sur le visage de l'homme et, très vite, ses phalanges violettes prirent la couleur du sang. C'est alors que des mains puissantes s'emparèrent de lui par derrière, et le traînèrent pour éloigner alors qu'il hurlait des syllabes inintelligibles. Toute son intelligence avait été balayée par la frustration de se voir refuser ce qu'il demandait. Le vernis de la culture s'était désagrégé, ne laissant qu'un animal qu'on emportait tandis que ses vociférations furieuses elle était absorbée par les murs anti-bruit. Plus tard, Allard venait le trouver dans sa chambre. Thanos était assis à même le sol, dans un coin sombre, et scrutait ses mains qu'il tenait croisées sur ses cuisses. Ce docteur que j'ai blessé, va-t-il s'en remettre? Demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude dans sa voix. Allard fit la question.
tu prends pour un docteur est en fait une nouvelle forme de vie synthétique que j'ai créée spécialement pour prendre soin de ta mère et dont la compassion ainsi que l'empathie ont été améliorées. Félicitations, Thanos. Tu as roué du coup quelque chose qui n'était pas tout à fait doué de vie et qui a été conçu dans le sans les capacités de base pour pouvoir riposter. Thanos serra ses mains de toutes ses forces l'une contre l'autre et son regard se troubla. Cet endroit t'est interdit, Thanos, poursuivit la. Comme cela ne t'avait jamais été signifié clairement, je ne te punirai pas pour ton intrusion, ni pour les dégâts que tu as causés à la création. Le père posa alors sur lui un regard sévère. Retourne là-bas et la sanction sera lourde. La sanction. Thanos savait parfaitement de quoi il s'agissait. La chambre d'isolement, une pièce minuscule située juste à côté du conicarium d'Alara. Thanos y serait enfermé. Il y subirait un bombardement sonore et lumineux tellement déstabilisant qu'il était même impossible de penser. Selon la souffrance qu'il avait éprouvée lors d'un précédent séjour dans ce cachot, Thanos ne pouvait s'imaginer, ne pouvait rien imaginer de pire. Toutefois, c'est là-bas que se trouve Mère, affirma Thanos sans lever les yeux. Comment osez-vous me la cacher? Tu es un garçon intelligent et tu peux sans doute trouver d'autres buts pour t'occuper l'esprit que de chercher ta mère. Je n'ai plus qu'une étrangère pour toi. Une étrangère? S'exclama Thanos en se levant. C'est ma mère. Alors, s'il n'y a pas. Elle t'a porté, ça se résume à ça. Elle ne t'a pas revu depuis ta naissance. Elle n'est rien pour toi et tu n'es rien pour elle. Oublie-la, cria-t-il avant de désigner d'un geste l'interface holographique qui flottait au-dessus du berceau de Thanos. Concentre-toi sur tes études. Tu possèdes un intellect prodigieux, une intelligence qu'il faut préserver de toute émotion. En effet, il bénéficie d'une grande intelligence et celle-ci lui soufflait déjà les mots capables de contrer les arguments de son père. Toutefois, à cet instant précis, il n'était qu'un petit garçon. Un enfant qui avait réussi à se rapprocher de sa mère, mais pas suffisamment pour l'atteindre. À cet instant, il était incapable de formuler quoi que ce soit d'intelligent ou d'approprié. Alors, il se jeta dans la contemplation de ses mains, bien décidé à ne rien regarder d'autre que son père n'aurait ri. Tant que son père n'aurait pas quitté la pièce. Il n'eut pas à attendre très longtemps, Alara avait quelque chose de plus important à faire. Et c'est la fin du chapitre 2. Qui m'a pris donc 32 minutes, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, on avance bien. On apprend un peu plus donc, sur l'état d'esprit de Thanos. Et c'est cool, c'est vraiment cool à voir si le film éternel, je ne pense pas qu'il développe cette histoire-là, mais c'est cool de savoir ce qui se passe un peu là-bas. Et voilà, je ne vais pas non plus m'étendre sur le livre, c'était plus une lecture qu'un avis à donner après. Je donnerai un avis à la fin du livre. Bon, là, franchement, il y a. Il y a plus de 39 chapitres. Bon, ben voilà quoi. Ça donne le ton quoi. Mais bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît. L'histoire de lire des extraits de chapitres, du moins, et de vous les filer. Et voilà. J'espère aussi que mon rythme de lecture vous va. Ça se peut des fois que je lise vite. Ou... J'essaie de mettre le ton, j'essaie d'y aller à fond. J'espère que ça vous plaît. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. À liker la vidéo si ça vous a plu. À partager la vidéo et à me follow sur les réseaux sociaux. Allez, bye bye!